Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on retourne dans les formats programme. Hein. Oui, c'est parti. Bon, on va pas faire un programme à proprement dit. Là, on va faire un truc que je faisais à chaque fois quand je débutais en salle et aussi que je vais faire actuellement pour certains groupes musculaires. On va travailler en 10 fois 10 reps. Ok? Le principe est simple. On va commencer par un mouvement simple aujourd'hui de base, mon mouvement préféré, le curl biceps barre EZ. Ok? Donc, c'est simple. Tu prends ta barre, hop, on fait 10 reps tranquillement, on pose, on note et on va faire ça 10 fois. Moi, je faisais ça, si tu veux, pour attraper mes points faibles à l'époque. Parce que, voilà, j'ai toujours appris en musculation que quand tu as un point faible, il faut le surentraîner, il faut vraiment le fracasser, tu vois. Après, oui, je sais que certaines personnes vont dire oui, non, faut faire ci, faire ça, mais moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'évoluer, de progresser en musculation. Et je vais pas te mentir, quand tu vois qu'en musculation, il y a beaucoup de gens chargés qui te donnent des conseils alors que eux-mêmes, naturellement, ils n'ont pas réussi à rattraper leurs points faibles. Moi, je préfère écouter mes propres conseils et mes conseils à moi ont marché. Donc, entraînement 10 fois 10 reps. Tu prends soit une barre EZ ou des haltères et on va faire du curl ensemble. Ok, bon, je suis désolé, la lumière elle est assez variable ici. Comme je suis au garage, éclairé par la lumière du jour. Mais normalement, on sera bien pour cette vidéo. Je te cache pas, j'ai un peu froid, mais je voulais sortir le débardeur noir quand même. Bon, comme je t'ai dit, 10 fois 10 reps. On va prendre 1 minute de repos à chaque fois au début. Si je sens que je commence à trop fatiguer, clairement, on va prendre une 30. Mais les biceps, ça récupère vraiment vite. Donc, 1 minute de repos, c'est l'idéal. Ok? J'ai tout. Hop, j'ai mon eau. J'ai ma petite feuille. On va commencer. Hop, tranquillement. Allez. Une. Mouvement propre. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je pose la barre. Bam. Je mets le temps. Mon petit trait. Mon petit trait où je mets un petit 1, tu vois. Oh. Et ça, je me rappelle ça. Je faisais ça tout le temps. Je faisais ça tout le temps. À chaque fin de séance, bam, curl biceps. 10 fois 10 reps. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mes biceps en point fort, notamment parce que je faisais ça pratiquement que pour les biceps et rien d'autre. Parce que voilà, si tu connais un peu mon histoire, moi je voulais que des biceps de base à la salle. Parce que je voulais entraîner ce qui se voit, ce qu'on voit en premier chez toi, tu vois. Parce qu'on le voit en débardeur, on le voit bien et tout. Donc j'ai bossé les biceps fort. Ah, 45 secondes. Moi bon, ça va, on est bien, on est bien. Pour l'instant, on est très bien. 50. Ah, on va bien repartir. Et là, je te cache pas, il fait très froid là. On avait une semaine où il faisait chaud. Et là, je sais pas ce qui est passé. Il a plu, c'est fini. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et 10. Ok. Hop. Le temps de... Petit rappel, là j'ai 30 kilos, j'ai une barre à 10 kilos, enfin une barre à 8 kilos et deux poids de 10. Donc on a 28, voilà, 28, 30, c'est pareil. Et voilà, j'ai pas mis très lourd. Parce que 10 fois 10 reps, n'empêche, ça use. Donc, si tu mets trop lourd, vers la fin, tu vas baisser. Charge moyenne, on est bien. D'accord? On est bien. Pour le 10 fois 10 reps, c'est un mouvement que je te conseille vraiment en bossant. Si tu bosses avec haltère, tu bosses avec les deux, tu vois. Hop! Tu bosses avec haltère, c'est hop! Hop! Parce que si tu fais de l'unilatéral, ça va te fumer, d'accord? Et c'est pas le but. Donc, si tu prends avec haltère, oublie pas ça.
bosse avec les deux. Très important. On va repartir. Il reste 3 secondes. Hop. Troisième. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Temps de repos. Tranquillement. Trois. Franchement, c'est un exo qui va te faire du bien. Vraiment. Tu vas voir, ça va plus te faire mal qu'un programme que je fais de base. Parce que là, tu restes tout le temps sur le même mouvement qui te fracasse. Mais c'est ça qui est bon. La musculation, c'est du changement, tu vois. Si tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, bah, tu vas commencer, ça sera dur, ça sera compliqué, tu auras mal, tu auras des courbatures. Mais au fur et à mesure du temps, bah, ça n'a plus rien de faire. Tu n'auras même plus la sensation de bosser. Ça va te faire mal quoi qu'il arrive. Que tu fasses ça pendant 2 mois, ça va te faire mal encore. Mais après, bien évidemment, c'est trop facile, tu montes les charges, mais ça va te faire mal quand même. Oh. Là, tu vois, on est qu'à la troisième, le temps il commence à passer vite, c'est incroyable. Il est déjà 53. On va repartir. Allez. 58, c'est bon, on repart. Hop. Oh. Une. Deux. 3, allez, 4, hop, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Hop, le temps de repos, je suis désolé, ma barre est grasse. Je vais voir si je peux resserrer ça. Non, parce que là, ça commence à faire chier, clairement. Ça siffle dans mes oreilles et je pense que dans le micro, c'est pas agréable. Hop, quatrième. On est presque à la moitié, ça va. On est presque à la moitié. Les biceps commencent à être contractés. Tranquillement. On est bien. Ça aussi, c'est le genre de truc où si t'as envie de sortir dehors en étant contracté, parce que ça, on connaît ça, les mecs, on connaît. Quand vous allez capter une meuf ou quand, voilà, vous allez faire du shopping, mais vous allez mettre un habit intéressant. Je m'explique. Un habit intéressant, c'est un haut de préférence qui sert bien à ton corps. Ça, tu peux le faire avant de sortir, ça. Et je te garantis que tu seras bien. Tu seras vraiment, vraiment bien. D'accord ? 53, ça va. Timing parfait pour repartir. Hop, on y va. Pour faire nos 10 reps. Putain, j'ai serré pour rien, ça fait encore du bruit. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. Le temps et le 5. Là, on est à la moitié. On est bien. On est à la moitié. On est bien. Je me sens bien. Hier, j'ai fait une séance pec triceps. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai une crampe au triceps. Incroyable. En fait, mon triceps, il restait comme ça. Celui-là, là, le droit, il restait comme ça. J'étais bien, mais j'avais mal. Je pouvais rien faire, sûr que même bouger un peu, je pouvais pas. C'était incroyable. Et là, j'ai mal au pec. Parce qu'avec le frérot, là, on a fait des exercices d'isolation, des tempos de fou, et j'ai mal, tu vois. J'ai mal. Je voulais faire un programme pompe juste derrière. Je pourrais même pas le faire à cause de lui. Je dois me reposer. C'est pour ça que j'ai commencé par les biceps. En même temps, moi, ça m'arrange, les biceps, j'ai jamais mal au biceps. Le triceps, j'ai mal, mais le biceps, jamais. Vraiment, moi, en biceps, je peux être là, même blessé, je suis là. On repart. Hop. Allez. 1. 2. 3. Allez. 4. 5, ça fait mal. C'est que ça bosse. 6. 7. 8. 9 et 10. Mais pourquoi le truc il se desserre quand je pousse? Hop, c'est bon. Voilà, je resserre ça bien. Sixième rep. Yes. Je suis bien. Franchement, je suis bien.
Là, si tu veux, à partir de 5, je t'autorise à prendre 1 minute 30 de repos. Sinon, non. Sinon, j'ai pas envie. Tu prends 1 minute. À partir de là, c'est que ça commence à être dur. D'accord? Ça commence vraiment à être dur. Parce que là, le temps, il va de plus en plus vite. Moi, je commence à être un peu essoufflé parce qu'en même temps, je compte fort et je parle fort comme un fou. Mais à partir de là, ouais, si tu veux prendre un petit peu plus, ou ne serait-ce que 1 minute 10 ou 20, tu peux prendre. Moi, 1 minute full, d'accord? Parce que ça va, c'est pas très lourd. Fais les choses bien. Et j'ai pas envie de prendre plus de temps. Et comme j'ai un peu froid, ça me réchauffe, ça me fait du bien. On repart. Une, deux, trois, allez, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Temps de repos en premier. Hop, voilà. Hop. Voilà, on est bien. Oh. En plus, ça, faut que je m'achète enfin, un chargeur iPhone. Mon chargeur hier, il a cédé, tu vois. Tu vois, l'embout de chargement, il est resté bloqué dans mon téléphone. C'est-à-dire que j'ai dû prendre une pince, un truc, j'ai dû faire des magouilles pour retirer le chargeur. Oh. Et ça doit coûter cher, ça, un chargeur iPhone. Ça coûtait quoi? Ça coûtait 20 euros à peu près. Juste pour un chargeur. Si je me trompe, hein, j'espère que je me trompe. Hein. J'espère que ça coûte 10 euros ou 5 euros. Tu vois, mais non, iPhone. Ah, faut pas être fou. Hein. Faut pas... iPhone, c'est trop déjà. C'est vraiment trop. Bon, 57. Ça va vraiment trop vite. On repart. Hop. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas comment je fais pour les serrer, mais là ça fait aucun bruit là, c'est incroyable. Hop, effacer, bam, chrono. 8, il en reste 2. Il en reste 2, ça va. Pour l'instant, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. On va faire les choses bien par rapport à ça. Comme je t'ai dit, hein, ça, le must, pour moi, le must du must, c'est de le faire en fin de séance. Ok? En fin de séance. Ou alors, tu peux le faire pour t'échauffer. Mais là, les charges vont être beaucoup plus légères. D'accord? Charge moyenne, franchement, fin de séance, fais ça. Moi, je vais le faire pour tous les groupes musculaires. On va le faire pour les pecs. Pour les jambes, pour les abdos, non, parce que je vois pas l'intérêt de faire du 100 répétitions en abdos. Mais on va faire ça bien. On va faire ça bien. Quoi que je vais voir pour les abdos, ça peut être intéressant. Ça va me faire mal, mais on verra. Franchement, on verra. Allez, on repart. Pour la 9e. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. 9. Là, tu vois, j'étais tellement content d'être à la deuxième que j'ai mis le 9 avant de lancer le chrono. C'est incroyable. Là, je te cache pas, là, je commence à être rincé. Je commence à être rincé. En plus, tout à l'heure, je dois aller à la salle. Normalement. Pour voir un client à moi. Parce qu'il voulait une vidéo. Mais je lui ai dit, écoute, ramène les sous d'abord. Et comme c'est quelqu'un qui veut pas payer en virement bancaire ou sur des comptes PayPal ou des trucs comme ça. Il veut du liquide, donc je dois le voir pour récupérer du liquide. Eh, c'est... Oh là là. C'est la galère. C'est vraiment la galère. On va faire les choses bien. Et je dois acheter mon chargeur d'iPhone à Carrefour. Oh là là, putain. Quelle journée incroyable.
13h45, on va essayer de faire les choses bien. Bon, dernière. Hop, une minute pile. On va faire ça bien. Hop. La dernière, on va essayer de faire un mouvement bien lent et bien contrôlé, ok? Une. Deux. Ok. Trois. Ok, allez. Quatre. Allez. 5, ok, 6, 7, oh, putain, allez, 8, 9, dernière, et 10, oh, oh, oh. Ah, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Attends, je vais couper, je vais boire un peu d'eau et je te retrouve pour le mot de la fin, sachant que là, je vois que la lumière commence à baisser. Je vais refaire des paramètres pour que tu puisses mieux me voir. Ok, voilà pour cette séance 10 x 10 reps. Moi, je te conseille de la faire en fin de séance à charge moyenne ou bien alors à l'échauffement au début de séance, mais avec des charges plutôt basses, même si que je préfère que tu le fasses en fin de séance. Que tu te détruises, c'est très important. Là, je vais faire ça avec les autres groupes musculaires. D'accord ? On a commencé avec les bras. On va faire ça avec les pecs, avec les jambes, abdos entre guillemets avec le dos. On va faire ça partout afin que tu puisses te faire mal. D'accord ? Et progresser en musculation. Très important. Moi, comme je t'ai dit, je les faisais pour rattraper mes points faibles. D'accord ? Et je vais le refaire aussi en salle. Pour mon dos, parce que mon dos, j'ai envie de l'avoir. C'est bon, ça fait longtemps, je veux avoir un dos, j'en ai marre, ok? Donc on va faire ça et on va progresser. Bon, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est pas fait, et aussi à mon compte Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.